La section débit crédit est le cœur du système des opérations de la popote roulante. Dans ce cas-ci, il est possible de voir les opérations financières faites pour ce bénéficiaire. Nous voyons 5 transactions qui ont été effectuées. La dernière opération a été effectuée le 4 mai dernier. Si nous regardons en détail la dernière transaction, 48 repas ont été achetés et payés. La personne prend 2 repas par jour. La date de début est le 4 mai et se terminera le 29 mai. Si nous regardons la livraison associée, vous remarquerez que le 18 est un congé. Il est donc possible d'avoir le nombre de journées ouvrables par mois, ce qui est utile lorsqu'on planifie les paiements pour le bénéficiaire, par exemple. Le mois de mai, qui compte 25 jours, comprend une journée, le 18 mai, où il n'y a pas de livraison de repas, ce qui nous fait donc plutôt 24 jours ouvrables. Il est possible aussi d'avoir une grille de repas indiquant les coûts pour un nombre déterminé de repas. Donc, dans notre exemple, 24 jours comprenant 48 repas pour un montant de 360 $. Vous n'avez donc pas à calculer à chaque fois. On saisit donc ce montant dans le crédit appliqué au repas.